Ce que le fait d'être ici à Malartic nous a appris, c'est justement l'humilité, parce qu'on se rend bien compte que dans ce type de métier, nous sommes obligés de faire avec ce qui existe, ce que la nature va nous donner. On n'est pas grand-chose, mais c'est pour ça qu'il faut faire le plus d'efforts possible. Tout à fait. Ça nous apprend vraiment, comme disait mon mari, l'humilité. Michel et Alfred Bonny sont les heureux propriétaires d'un des plus beaux domaines de l'appellation Pessac-Léognan. Depuis 1997, ils ont fait entrer toute la famille dans l'aventure viticole, aujourd'hui représentée par leurs enfants de droite à gauche, Jean-Jacques, leur fils, Véronique, leur fille, ainsi que par leur belle-fille, Séverine. Ils sont la quatrième famille propriétaire de ce domaine qui date du XVIIIe siècle et dont le terroir de Graves a fait la renommée. C'est un terroir qui est très ancien, qui date d'un million d'années avant Jésus-Christ et qui est parmi les plus beaux en termes de Graves. Nous allons vous faire découvrir comment cette famille originaire de Belgique et passionnée de vin français a su redonner l'éclat à ce domaine depuis plus de 25 ans. À la bonne botte. Michel et Alfred Bonny, quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé une belle endormie. Ouais. Par contre, avec des vendanges précoces comme ça, il n'y a pas de... Restructuration du vignoble, certification haute valeur environnementale, nouvelle méthode de vendange, mise en place d'un écosystème responsable, construction d'un cuvier gravitaire, rien n'a été laissé au hasard pour révéler ce terroir d'exception. Le tout dans un esprit de famille où règne le travail et l'humilité. Situé à 10 km de Bordeaux, sur la prestigieuse et réputée rive gauche, le domaine du château Malartic-la-Gravière s'étend sur plus de 53 hectares et tire son nom de son premier propriétaire. On a trouvé les premières traces de vignes à Malartic au XVIIIe siècle, dans ce qui s'appelait à l'époque le domaine de la Gravière, la Gravière comme les cailloux, les graves, cette belle région dans laquelle nous sommes situés. Et le domaine appartenait à l'époque à la famille du comte Hippolyte de Morès de Malartic, qui était amiral dans la marine de Louis XV. Et depuis, les quatre familles propriétaires du château ont pris soin d'exploiter ce domaine réputé à la fois pour son terroir de graves, des pots de gravier et de galets mélangés à du sable et à de l'argile, formés il y a des millions d'années par les alluvions du fleuve de la Garonne, et à la fois pour son climat océanique et ensoleillé, alliance parfaite pour façonner de grands vins. Ce qui est le plus renommé sur notre terroir, c'est ce qu'on appelle la croupe de Malartic. Alors la croupe n'a rien à voir avec la partie qui se trouve obligatoirement derrière, c'est plutôt ce monticule de graves qui s'est accumulé courant de l'âge glaciaire. Et dans les méandres et des fleuves, sur les extérieurs, s'accumulaient ces cailloux qui étaient devenus des graves, formant donc des grosses collines de graves qu'on appelle des croupes de graves. Et c'est justement ce terroir qui a séduit le couple Bonny en 1997, lorsqu'ils décident ensemble de reprendre Château Malartic-la-Gravière, formant un duo indissociable et complémentaire à la vie comme à la vigne. J'ai un caractère particulier et elle a un caractère particulier aussi, mais qui sont tous les deux qui font vraiment une bonne équipe. Et disons, s'il y a une partie qui ne veut plus jouer, ça sera un peu moins drôle. Voilà. Ensemble, ils vont révéler les deux vins de ce terroir, le rouge pour 85% de la production et le blanc pour les 15% restants. Ouais, avec des vendanges précoces comme ça, il n'y a pas de pression avec cette météo. À l'heure des vendanges, Jean-Jacques et son directeur technique vigne, Benoît, portent une attention de chaque instant à la maturité du raisin. Mais ça avance bien. On a une bonne semaine. Ouais. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer? C'est le goût. Est-ce qu'il y a un goût évolué? On est plus sur de la pomme verte, on commence à partir sur des fruits plus rouges, des fruits mûrs. Et puis ensuite, les tanins et l'acidité qui seront le squelette ensuite du vin. Donc ces tanins, il faut qu'ils soient soyeux, il ne faut pas qu'ils soient un peu astringents ou un peu verts. Et il faut qu'il y ait aussi une certaine acidité, pas trop, pas que le raisin goûte acidulé, mais que cette acidité apporte de la fraîcheur à toute cette densité et cette richesse qu'on cherche à avoir. Bref, on cherche l'équilibre parfait, effectivement, pour ça, il faut venir les goûter tous les jours, parce que
hier c'est pas prêt, demain c'est trop tard. Plus d'une centaine de personnes vont alors vendanger manuellement l'intégralité des parcelles du domaine. Dans un souci d'excellence, la famille Bonny va dès son arrivée changer le processus de récolte afin de préserver la baie dans son intégralité. Alors nous vendangeons tout à la main. Donc ce sont des petites cagettes en fait où on va mettre à peu près deux couches de grappes pour pas qu'elles s'écrasent trop, ça va faire 10 kilos. Et puis ces cagettes vont s'empiler sans jamais donc s'écraser. Et ensuite on les amène au bout du rang pour en faire des palettes. Contrairement à des vendanges manuelles qu'on pouvait faire avant, on prenait dans un petit panier, qu'on rebasculait dans une hotte dans le dos d'un porteur, qui lui-même rebasculait dans une remorque. Tout ceci créant des mouvements et des éclatements de baies. Là, c'est une récolte manuelle, mais en plus en petite cagette. Donc avec, on ne touche la baie qu'une fois. Une baie touchée qu'une seule fois, qui sera acheminée jusqu'à la réception vendange située dans les nouveaux chais, construit en 1998 en bordure du domaine, légèrement en contrebas des croupes de grave, épousant ainsi le dénivelé naturel de la pente. Après avoir subi un tri manuel, puis optique pour éliminer les baies non conformes aux exigences du domaine, le raisin sélectionné sera transporté par gravité dans les cuviers inox. Un système dit gravitaire mis en place par la famille Bonny, qui fut parmi les précurseurs de ce procédé. Ce concept de gravité recherchait le fait de préserver une intégrité de baie qui fait qu'on n'utilise pas les pompes, on utilise la gravité naturelle du process pour passer du stade de baie de raisin récoltée dans la vigne à la cuve ou à la barrique pour commencer la fermentation. Cette présence en cuve inox ou en cuve bois thermorégulée va durer 3 semaines environ. Moment de transformation du sucre en alcool du raisin. Puis la famille, accompagnée par Cécile, la directrice chai, et Benoît, le directeur technique vigne, vont procéder à l'assemblage des millésimes en fonction des sensibilités de chacun et de l'identité des vins du domaine. Patiemment, l'équipe dégustera chaque lot lors de plusieurs opérations qui peuvent durer jusqu'à 4 heures. Une fois assemblés, les vins seront alors élevés en barrique de chêne pendant environ 18 mois. Ils révéleront année après année des vins fidèles à l'ADN du domaine, des rouges composés de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Cabernet Franc et de Petit Verdot, et des blancs composés de Sauvignon et de Sémillon. Le blanc va être caractérisé par une pureté de fruits hein, qui lui vient du Sauvignon, ses fruits blancs, pêche blanche, poire blanche, accompagné d'une gourmandise, d'une générosité que le Sémillon va lui donner en milieu de bouche en lui apportant des touches là, d'abricots, parfois même de miel. Sur les rouges, on est là aussi sur des vins avec une grande finesse, une grande complexité aromatique, une belle élégance. Je pense qu'il y a une trame, une fraîcheur, un équilibre dans ces vins qui font qu'on a à la fois un toucher de tanin qui est très très soyeux et à la fois une complexité aromatique avec différentes touches typiques de ce terroir et qui en font là aussi des vins de garde très élégants et qui généralement font beaucoup de fans. Côté environnement, la famille Bonny a dès son arrivée fait entrer le domaine dans une nouvelle ère. Certifiée agriculture raisonnée et haute valeur environnementale de niveau 3, elle s'est également efforcée de recréer un écosystème et un biotope cohérent. Travail du cheval afin d'éviter le tassement du terrain. Éco-pâturage des brebis afin de retirer les herbes naturellement. Plantation de haies pour attirer les insectes hors du vignoble, rien n'est laissé au hasard. Comme souvent, Séverine se rend à la ferme du château. Ici, à l'abri d'une clairière, chaque animal a été choisi pour ses fonctions naturelles. Bonjour Marianne. Bonjour. Ça va?
Ça a été ce matin? Oui, très bien, oui. La ferme sur le domaine, elle est venue aussi progressivement et assez naturellement de l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut travailler la vigne, aussi avec les animaux, de revenir à des pratiques plus ancestrales, plus naturelles, plus équilibrées, plus douces. Et puis d'avoir des animaux sur le domaine, ça amène aussi quelque chose d'une âme supplémentaire pour nous et pour l'équipe. On ne conçoit pas la propriété sans cet ensemble cohérent de l'homme, des animaux et de la nature autour pour un écosystème équilibré. Non loin de la ferme, blotti au milieu de son parc, arborant une façade aux tonalités crème et or qui épouse les lumières bordelaises, le château Malartic-la-Gravière trône fièrement à l'abri de ses pins parasols. Sa longue façade néoclassique tromperait volontiers le visiteur sur son époque de construction. À l'origine, un simple pavillon datant du milieu du 19e siècle, construit par Madame Ricard, sa propriétaire du moment. Lorsque les Bonny arrivent au domaine, ils vont tripler la taille de ce bâtiment dans un style fidèle afin de donner à Malartic-la-Gravière le château élégant et imposant qui lui manquait. Aujourd'hui principalement dédié à la réception, la famille se retrouve néanmoins volontiers dans cet endroit devenu poumon du domaine. Afin d'y savourer joyeusement cette nouvelle vie faite d'aventure et d'humilité, et où chacun trouvait sa place au gré des nombreux projets qui naissent de cette famille d'entrepreneurs passionnés.